Yep, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur MCOC concernant l'event cadeau. Voilà, donc j'avais dit que peut-être j'allais en faire une deuxième. Ben, c'est le cas. Donc j'ai décidé de craquer un petit peu. J'ai pas fait d'achat pendant le Cyber Week-end ni pendant les offres du 4 juillet. Ben là j'en ai fait un avant Noël, donc j'ai une rentrée d'argent un petit peu, donc j'ai décidé de me faire plaisir. Voilà, donc du coup j'ai pris l'offre à 50 euros je crois, des petits cristaux spéciaux. Voilà, donc du coup ce qui va me permettre d'aller les ouvrir et par la même occasion d'aller récupérer les récompenses dans l'optique et dans la prévision d'ouvrir de up bientôt mon premier chien. Mon premier 6R4. Voilà, allez, c'est parti. Je perds pas de temps. Donc j'ai 10 cristaux à ouvrir. On va tous les ouvrir. J'espère avoir du lourd. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette offre ou quoi que ce soit. Voilà, donc on n'est pas trop mal classé. Moi j'avais envie de finir surtout les récompenses d'étape en solo. Notamment pour aller récupérer le T6A, T6B et le T3A. Et ben voilà, du T6B, quand on en parle, ça commence bien. Franchement, j'ai de la chance avec le T6B parce que du coup, j'ai des collègues à moi dans ma team qui n'ont pas eu cette chance-là. Moi, j'ai été refait en T6B quand même. Allez, deuxième cristal. Alors, de l'or. 10 000 classes 5. Par contre, je vais vous faire une espèce d'opening à la fin de l'event. Je pense que d'ici la fin du week-end, je pense après Noël, je vous ferai l'opening. Allez, prochain cristal, encore 7. Par contre, je vous dis sur cet event-là, c'est la seule dépense que je ferai. Je suis pas spender comme certains peuvent l'être. Qui dépense à tout va, je trouve ça totalement ridicule. Je vais pas dépenser des centaines et des centaines d'euros. Moi, j'ai une famille, j'ai des priorités dans ma vie, donc voilà. Donc après, se faire plaisir, prendre une seule offre, voilà, qui est pas très chère, hein, qu'elle m'a apporté pour Noël, histoire de me faire un petit cadeau de Noël, c'est une chose. De là à dépenser des centaines et des centaines d'euros, non, je suis pas d'accord. Bon, après, c'est mon objectif. Enfin, c'est ma façon de voir les choses plutôt que mon objectif, c'est ma façon de voir les choses perso, donc voilà, chacun son truc. Maintenant, voilà, je vais me faire un petit plaisir, je vais me faire un petit cadeau, et puis justement, je pars du principe qu'avec les récompenses d'étape, plus cette offre-là, je devrais être refait pour juste ce qu'il me faut. Bon, pour l'instant, c'est pas trop folichon, à part le premier où j'ai eu du T6B. Entre le T4C, les rebuts là, les 10 000 éclats 5, faut pas dire que je suis parfaitement refait. Alors, pierre spéciale, ça je pense que c'est des pierres spéciales 6. Alors, j'aimerais bien avoir la gemme d'éveil 6, ça serait cool. Ou une Jessica Jones 6. D'ailleurs, je l'ai éveillé, je l'ai up niveau, enfin rang 5. Niveau max, bon, elle est pas au niveau de la compétence spéciale, elle est pas maxée, mais c'est une tueriste ce perso. Elle va être très 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 chiant à combattre. Ok, donc il en reste 4. Allez, merci Balarus de m'avoir suivi sur ma chaîne la dernière fois. Merci Chitou, merci aux membres de ma team qui me suivent. Jiuchi, j'ai vu aussi ton live. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais GG pour ton opening toi aussi. Kamov, bah écoute, comme je t'ai marqué sur ta vidéo, entre le Kang 6 étoiles et le Weapon X 5 étoiles et sans compter ce que tu as eu en éclat 6 et tout, franchement GG, GG, j'aimerais trop avoir le Kang 6, franchement si tu l'associes avec Apo, c'est juste monstrueux. Bon, c'est pas folichon, hein, heureusement j'ai fait que cette dépense-là, parce que franchement honnêtement pour avoir de la merde. Allez, allez. Ah.
Voilà, du T3A. C'est ce qui me manquait. Allez, encore un petit peu de T3A. Et ça sera parfait. Comme ça m'en fait 3. Avec celle que. Enfin, ceux que je vais récupérer dans les règles solo de l'événement. Et ben voilà. Et ben ouais, génial, c'est bon, c'est top. Et ben je vais pouvoir avoir mon premier 6R4. C'est génial. C'est génial. Il y aura une vidéo aussi qui va sortir en même temps que celle-ci, je pense, sur les recs et les classements des Battlegrounds. On a reçu les recs hier, donc jeudi. On est vendredi aujourd'hui. Voilà, franchement, vous verrez, de toute façon, elle sera très courte, mais ça sera juste pour vous montrer un petit peu. Bon, à défaut d'avoir de bonnes récompenses, j'ai surtout récupéré ça. Et ça. On va juste faire un point vite fait sur ce qui me manque. Donc là, il me manque un, et là, il m'en manque un. Mais c'est pas fini. On va aller récupérer les recs de l'événement solo. Voilà, qui est juste ici. Donc du coup, j'ai la gemme d'éveil 6. Donc j'ai le Nexus 6 à récupérer. J'ai. Donc alors du coup, là. J'ai un Cosmic. J'ai un Mystique. Je vais bientôt avoir un Science. Allez. Vous savez quoi? J'aime trop ce perso. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. Tout bonnement et tout simplement pour Nimrod. Parce qu'avec les règles des Battlegrounds, je vais pouvoir up Nimrod 6R4. Qui sera mon premier 6R4 hein, d'ailleurs au passage. Voilà. Donc du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, donc il me reste juste ben, de comment on appelle ça? L'étape de la relique 5 étoiles. Il me manque 13 000 points. Un peu moins de 13 000 points. Mais avec les cristaux donc du calendrier, qu'on va avoir les 4 qui sont là. Plus, je pense que d'ici la fin de l'event, en faisant un peu d'arène, je pourrais en ouvrir peut-être un ou deux. Donc ça en fera 6. Donc, comme j'en achèterai deux, ça fera 10 000. Parce que je crois que c'est 5 000 points l'achat. Alors attendez, c'est 5 000. Plus là, j'avais oublié les événements du vote du choix de l'avocataire. Donc si vous dépensez vos 10. Vos 10 trucs là, vos 10 nominations, vos 10 votes, donc parmi les cartes que vous gagnez là, grâce au calendrier, là, comment ça s'appelle déjà ce truc là? Vos 10 distinctions, enfin les 20 distinctions, vous avez apparemment vous gagnez 10 cristaux supplémentaires. De ce que j'ai pu comprendre, ça c'est à voir aussi. Donc il y a moyen de faire quelque chose de bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette deuxième vidéo après mon live sur mon opening de l'event cadeau. Ça sera la dernière pour cet événement-là. Moi, je vous retrouve très rapidement et très prochainement pour ma prochaine vidéo qui sera les résultats des Battlegrounds. Et surtout, la grosse, 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 grosse vidéo, je pense que tout le monde va attendre. C'est déjà de gros openings parce que j'ai de quoi ouvrir. Je vais juste vous montrer pour que vous compreniez vite fait. Donc là, j'ai de quoi faire entre les cristaux chevaliers, entre les Nexus, les cristaux Nexus chevaliers, le Nexus 5 étoiles, le Nexus de l'Abîme Science, donc les fragments de reliques. Je vais aussi avoir du 5C à ouvrir en petit fragment, mais en petit pourcentage, mais voilà quand même. Sans compter tout ça, il y a vraiment un très 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 gros opening qui nous attend. Voilà, là comme vous pouvez le voir, ça va être vraiment monstrueux.
Il y a minimum 10 cristaux 6 à ouvrir, minimum, j'ai dit. Voilà. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Tchuss.